Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Hello, welcome to Radio Récré. Today is Wednesday, the 30th of March, 2022. Bonjour, bienvenue sur Radio Récré. Nous sommes le 30 mars 2022. Radio Récré, c'est la radio du Collège français bilingue de Londres. Radio Récré is our school podcast. Bonjour, nous sommes en CM2. Hello, we are in CM2. Bonjour et bonne année 2022. Bonne année, mais nous sommes le 30 mars. Je vais t'expliquer. Il n'y a pas eu d'émission depuis le 15 décembre. Mais pourquoi ? Parce que Monsieur Froment, qui est responsable de la radio récré, n'a pas pu faire d'émission. Eh oui, il a fait des remplacements en tant que maître depuis le début de l'année. D'ailleurs, les CM1 lui ont demandé des explications et vous verrez son interview tout à l'heure. Nous revoilà ! Il faut aussi préciser que nous sommes en train de tourner cette vidéo au Clubhouse. Allez, on commence avec les PSMS qui vont nous raconter l'histoire de Boucle d'Or et les Trois Ours. Boucle d'Or et les Trois Ours. Nous sommes en moyenne section. Boucle d'Or habite dans une caravane. Parce que ses parents travaillent dans un cirque. Boucle d'Or part dans la forêt pour cueillir des fleurs. Elle tombe sur la maison des Trois Ours. Elle rentre dans la cuisine et elle trois bols. Il y a une grande paille, une moyenne paille, une petite paille. Elle goûta le grand bol et c'était trop chaud. Elle goûta le moyen bol et c'est trop froid. Elle goûta le petit bol et c'est parfait. Alors elle a mangé tout. Boucle d'Or voit trois chaises. Une grosse chaise, une moyenne chaise, une petite chaise. Elle s'assied sur la grande chaise mais elle était trop grande. Elle s'assied sur la moyenne chaise. Mais elle était encore trop haute. Elle s'assit sur la petite chaise et elle était bien, mais un moment elle se cassa. Ensuite, elle va dans la chambre. Elle essaya le grand lit, il est trop haut. Elle essaya le moyen lit, c'était trop bas. Elle essaya le petit lit et c'était parfait. Alors elle a s'endormi. Mais les ours rentrent dans leur maison. Quand ils voient les chaises, le papa ours dit: qui a allé sur ma chaise? La maman ours dit: qui s'est assis sur ma chaise? Et le bébé ours, il dit: oh, ma chaise est cassée. Ensuite, les ours dans la cuisine. Le papa ours dit: qui a mangé dans mon bol? La maman ours dit: qui a mangé dans mon bol? Le bébé ours dit: qui a mangé dans mon bol? Et il a tout mangé. Ensuite, les ours y vont dans la chambre. Qui a dormi dans mon lit? Dit le papa ours. Qui a essayé mon lit? Qui a essayé mon lit? Elle dort encore dans le lit. C'est alors que Boucle d'Or se réveille. Elle part en courant. Heureusement, les ours étaient gentils. Et je laissais Boucle d'Or partir.
Bravo les PSMS. Nous avons adoré votre histoire. Maintenant, on va écouter les GSM dire des vieilles langues. C'est quoi déjà un vieille langue? Panier piano, panier piano, panier piano, panier piano. Est-ce que je peux essayer? Oui. Piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, attends, panier, moi, piano, si panier. Piano, panier, panier, piano, panier, piano, piano. Et moi. Piano, panier, piano, panier, piano, panier. C'est ça une vieille langue. Deux nouveaux virlangues. Le premier cancer des tortues. Trois tortues trottent sur trois trottoirs très étroits. 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 Trois trottoirs très étroits. Le deuxième virlande concerne un chat. Son chat Sacha chante sa chanson en chuchotant. Son chat Sacha chante une chanson en chuchotant. Son chat Sacha fait sa chanson en chuchotant. Son chat Sacha chante sa chanson en chuchotant. Son chat, Chacha, chante sa chanson en chuchotant. Son chat, Sacha, chante sa chanson en chuchotant. Well done, GSM. That was impressive. Let's stay with GSM. They made a funny song about the bear Paddington. Paddington loves marmalade sandwich. But GSM love marmalade with everything. Listen. Chicken with marmalade. I like lion with marmalade. I like whiteboard with marmalade. My name is Paddington. Ho, 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 ho. La semaine dernière, c'était STEM Week au CFL et on a fait beaucoup de sciences. Nos professeurs nous ont demandé de présenter des expériences. Certaines expériences ont été présentées dans les classes et certaines ont été filmées à la maison. Voici des extraits de ces expériences. Voici deux expériences proposées par les PSMS. Technology. Engineering. Mathematics. STEM Week.
Alors, pour son projet de science, Adrien va vous parler des... aimants. Super, des aimants. Alors, comment ça marche les aimants? Les aimants, on peut les faire bouger et ils s'attirent sans contact. Ça marche pas avec le dos. Ça marche pas le plastique. Avec le métal. Oui, on marche sur du métal. Ok, donc les aimants, ils attirent le métal, mais pas les autres matériaux. Et ça c'est quoi? Ça marche ou pas? Oui. C'est un autre aimant. Donc il a une force magnétique aussi. Ça, c'est le même. Super. Et est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux réussir à attirer tes aimants à travers une feuille de papier? Non, ça d'abord. Ça marche? Même à travers du papier. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de contact. Ça n'a pas besoin de toucher. Et est-ce que tu arrives à déplacer des objets avec la force magnétique? Tu veux montrer? Sans les toucher, comment tu fais? Ouais, super. Encore? Ça marche aussi? Parce que la force magnétique de l'aimant, elle est suffisamment puissante pour pouvoir déplacer le métal à distance. Super. Tu veux faire recoller les cuillères une dernière fois? En mettant le... Wow! Ça, c'est des aimants fort puissants. On peut faire des aimants. Super. Donc, c'était ton projet de science. Tu dis au revoir à toute ta classe? Science. Technology. Engineering. Hello everybody. Today we are making a volcano. You can see we have a volcano and we have water with soap and we have acid and sugar powder. And don't forget to goggle. Now we can dance. Now we're going to put 3 scoops of acid into the volcano. Now we're gonna put water and soap into the volcano. Now the dangerous part. We're gonna put 1 good of super into the volcano. One.
volcano. Engineering. Ça vous dit de voir des expériences par les GSM? C'est maintenant. First, we are playing the egg experiment. You put some two eggs into one pile, two of them, and you put this one into this one. This one go to this one, and when you put some salt in there. We might check you make some float, but if you put those two, not correct. If you do this, like do one each, good. And if you get a problem, you just call your mum. Stop. Let's start. So. What's the question? Which one is floating? This one. Not this one. Look. And why? Because it got no salt. This one don't. Ah. This one yes. So if you go in the sea with loads of salt, what would happen? You float. Good. This is all what I've done. Okay. Thank you, Charlotte. Hi. Bonjour, je m'appelle Octave. Je vais vous montrer comment on éteint le feu. Alors, en premier, on met un verre. Après, on essaie de compter si on veut combien de minutes ou de secondes. Et après, ça va s'éteindre. Lorsqu'il y a moins d'oxygène. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ça a pris 8 secondes. Ah non, on essaye avec un plus grand. Ça va prendre plus longtemps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça a pris 19 secondes. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Now listen to CP pupils. They are talking about their favorite books for World Book Day. Book Club. Les livres qu'on aime au CFBL. We're in CPB. I like my book because it has lots of witches in it, and I like witches. And there is also a teacher who is very strict, and a girl and a teacher who is not very strict. The name of the book is called The Worst Witch. My book is about opposite. It means it's opposite book. I like it because I like the opposite things.
My book title is Messy, and it's written by Matt and Tom Oldfield, and the reason is why I like the book is because I like very much football and I like the strongest players, so I really like Messi. My book is about a boy who goes in a cave and he lost his dog in the dark, dark, deep cave. Mes premières enquêtes. My book is very funny because actually she says that she has 17 unicorns when she has only one, and it's, and you know there's one that she just dresses them up as unicorns, and she also says magic is more important than mess. But here she makes a mess. It's Sophie Johnson, Unicorn Expert. Alors moi, c'est Tintin, le secret de la Lunicorne. J'aime ce livre parce qu'il est très marrant et capitaine. Il est très marrant et dit qu'il est un pirate en vrai, mais il n'est pas un pirate. Ow! Mon livre s'appelle « Dis comment ça pousse » et je l'aime parce que ça montre des fruits qui sont très jolis. Mon livre, c'est « Codename Bananas » et il est un gorille et quelqu'un et aussi des personnes qui veulent mourir le gorille. Le mien, c'est les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs et l'œuf magique. Et en fait, c'est un œuf. C'est des Schtroumpfs qui essayent de faire un gâteau et ils prennent un œuf que si on fait un vœu et si on le tape, on devient le vœu. Et il y a un Schtroumpf qui devient une saucisse. My book is about Jamie Johnson. I chose it because it's a football player and he's really good. And it's by Dan Friedman. Mon livre, il s'appelle Les Instructions. Et moi, j'aime parce que ils doivent combattre des robots et les choses comme ça. Et j'adore ça. I like my book because it's Harry Potter and it's very scary. I like my book because there's a fairy called Twinkle and she makes a wish and then her wish came true, but she has a birthday party in Twinkle Tree Forest. I like my book because I like learning about the universe. So. So I've got this book, Penguin in Pearl. It is by Helen Hancockus, and I'm going to swap it for another book, but I don't like it. Book Club. Les livres qu'on aime au CFBL. Et maintenant, on va voir deux expériences proposées par les CP. Bonjour les enfants, qu'est-ce qu'on fait comme expérience? On fait l'expérience des glaçons, lequel ils font le plus vite. Très bien, alors on va mettre sur chacun des glaçons un des ingrédients, du sucre, du sel, du poivre. Bye.
ça fait... Comment dire? Oh là là, pourquoi ça... C'est pas grave. Ça creuse. Ça creuse, très bien. Donc ça fait fondre ça. Max? Je pense que le poivre va fondre parce qu'en fait, le poivre, c'est piquant et donc ça peut faire très chaud. Intéressant. Léa? Moi, je pense que c'est le sucre parce que le sucre, il est très sucré. Il peut fondre le glaçon plus vite. Mais alors, je vais vous donner la réponse. Attendez. Go! Là, c'est la vidéo, elle est terminée. Et en fait, le sel, ça fait faire fondre le sel parce que c'est plus chaud. Alors, tu me montres, c'est lequel ton glaçon qui fond le plus vite? En fait, celui-là, c'est celui avec du poivre. Celui-là, c'est celui avec du sucre. Et ça, c'est avec le sel. Vous voyez bien, il est très petit. Au revoir. Here we are. The battery is connected to the black and red wire. Now, and the black wire is connected to the yellow. Let's see if it proves its works. So the battery is... Working. Okay, so now we're going to do it with something else. Here we are again with the battery attached to the red wires and the black wires attached to the yellow. Okay. We attach the yellow to the piece of black here. And surely it will make a beep, I think. We're gonna see. Ooh, it's working. Very good. Now we're gonna try with something else to replace the Gibu. What are we gonna replace the battery with? A fruit. The acid from the lemon is helping to conduct the electricity. Yeah, it's very light, but we can hear it. Qu'est-ce que le temps passe vite cette année? Tu sais, Olivia, lundi dernier, c'était le 100e jour d'école. Incroyable! Les CP vont vous en parler. Bonjour, nous sommes les CPA. Le lundi 7 mars, c'était un jour spécial. C'était le 100e jour d'école. On a fait la fête de nombre de 100. La maîtresse nous a demandé de compter jusqu'à 100 en français et en anglais. La maîtresse nous a demandé de faire des collections de 100 objets. J'ai fait une photo de 100 cas Pokémon. J'ai fait des photos des football cats et des voitures et des Lego. J'ai fait le top de France au Lego. Moi, j'ai fait une collection de 100 cartes football et 100 cartes Pokémon. Et j'ai aussi fait une collection de 100 élastiques. Moi, j'ai fait 2 vidéos avec des pattes alphabètes. Moi, j'ai fait une photo de 100 cartes Pokémon. Moi, j'ai fait une photo de 100 frites. Moi, j'ai fait une collection de 100 pièces de puzzle et j'ai aussi fait une collection de 100 pattes. Moi, j'ai fait une collection de 100 pièces de Lego. Moi, j'ai fait une collection de 100 jetons de la bataille des navires et j'ai fait 100 livres et aussi j'ai fait 100 crayons.
J'ai fait une vidéo de 100 boules de neige. J'ai fait une photo de 100 peluches. J'ai réalisé une collection de 100 cartes Pokémon. J'ai fait 100 céréales. J'ai écrit le nombre 100 en céréales. Moi, j'ai fait une collection de 100 cartes Pokémon. J'ai fait une collection de 100 livres et de 100 capelas et aussi de 100 perles. J'ai fait une collection de crayons de paquet 10. Pour faire 100, il faut 10 paquets de 10. J'ai fait une collection de 100 cartes Pokémon. J'ai fait 100 grains de riz. J'ai fait une photo de 100 livres. J'ai pris 100 Lego. Moi, j'ai fait 100 paquets de 10 élastiques. J'ai fait une collection de 100 chaussettes et 100 livres et 100 amandes. Est-ce que les chaussettes étaient propres? Oui. Mais aussi, on a fait la fête. On a fabriqué des couronnes. On a aussi fait des petits livres. Dans ce livre, on a essayé d'imaginer la vie dans 100 ans. Voilà, notre séquence est terminée. Le grand Schtroumpf et Gargamel? Mais non, c'est la cigale et la fourmi. Les CE1 vont nous réciter la fable de Jean de La Fontaine. Bonjour, nous sommes les CE1. Aujourd'hui, on va vous réciter la cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tous vos noms. Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Place au CE1 pour de nouvelles expériences. Technology. Engineering. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une expérience qui s'appelle l'aspirateur d'eau. Pour réaliser cette expérience, j'ai besoin d'une assiette, de l'eau colorée, des petites clés, une bougie chauffe-plat et un verre. Le but de cette expérience est de ramasser les clés sans me mouiller les doigts. Je commence. D'abord, je mets les clés dans l'assiette. Puis, je verse l'eau colorée jusqu'à ce que les clés soient immergées. Immergées veut dire recouvert de l'eau. Maintenant, je mets la bougie chauffe-plat dans l'assiette. Maintenant, j'ai besoin de l'aide d'un adulte pour allumer la bougie chauffe-plat. Maintenant, je mets le verre sur la bougie chauffe-plat et observez ce qui se passe.
Maintenant, je peux récupérer les clés sans me mouiller les doigts. Alors, que s'est-il passé? La bougie en brûlant consomme de l'oxygène emprisonné dans le verre. Lorsqu'elle s'éteint, l'air refroidit et sa pression diminue. L'eau est alors aspirée dans le verre. Merci d'avoir écouté mon expérience. Hello everyone, my name is Freya and I'm going to do an experiment. And the experiment is adding fizzy drinks with Mentos, or these. And I'm going, and you would need 3 fizzy drinks. And the carbon dioxide is going to make an explosion with these three fizzy drinks. And I'm using 3 fizzy drinks because I want to know which one makes the biggest explosion. We've decided to go outside because we don't want to have the Coke and fizzy drink to go every round the house, and because our walls are white and we don't want it to go everywhere around. So I'm going to do it outside. Are you ready, everyone? And let's go. Okay, everyone. I think maybe it was the Coke who went to the mall. Thank you very much. Bye-bye. Faustine, tu es éco-déléguée. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est? Nous sommes un groupe d'élèves du CFB qui travaille pour améliorer le statut écologique de notre école. Quelle action avez-vous mise en place dans les éco-comités? Mercredi dernier, nous sommes allés voir Monsieur Gassion pour lui présenter le système d'Ecosia. Écoutons l'enregistrement de cette présentation dans le bureau de Monsieur Gassion. Nous avons Faustine, Enzo, Léa, Edith, Malo, Jade et Aurien. Entrez. Bonjour et bienvenue dans le bureau. Je sais que pour certains, c'est la première fois que vous entrez dans ce bureau. Je voulais vous dire que j'attendais votre venue avec impatience. C'était inscrit dans mon agenda depuis très longtemps et ça va être le moment le plus important de ma journée. Donc je suis très très impatient de vous entendre. Alors bonjour, on est les éco-délégués et aujourd'hui on va vous présenter le moteur de recherche Ecosia. Alors voici le logo d'Ecosia. Il y aura 4 questions. La première question, c'est qu'est-ce qu'Ecosia? Ecosia, c'est un moteur de recherche qui marche très bien comme Google. Quand Google Chrome. Deuxième question, quels sont les avantages d'Ecosia? Les avantages d'Ecosia, c'est que tu peux planter des arbres quand tu as fait 45 recherches sur Ecosia et que tu as cliqué sur 45 liens. Les arbres, la plupart du temps, sont plantés au Maroc, aux Philippines, au Mexique et même ici au UK. Troisième question, comment mettre en place Ecosia sur mon ordinateur et ceux de l'école? Il faut aller sur le site ecosia.org et cliquer sur l'extension Chrome et tu auras Ecosia, le moteur par défaut. Et enfin, quatrième et dernière question, comment suivre le nombre de recherches et le nombre d'arbres plantés grâce à mon utilisation? Il faut aller encore sur le site Ecosia et si tu as déjà utilisé Ecosia, en haut à droite, il y aura un petit nombre avec un arbre à côté et le nom correspond à l'arbre que tu as planté. Quand tu fais des recherches, ben parfois il y a des pubs et si tu les vois ou tu cliques dessus, ben ça rapporte des sous à Ecosia et avec ces sous, ils peuvent planter des arbres. Et ces 45 recherches, c'est une moyenne parce qu'au bout de 45 recherches, Ecosia pense que tu as au moins cliqué une fois ou vu une fois une publicité.
Il les plante beaucoup en Indonésie, les Philippines, et il les plante un peu partout dans le monde parce qu'il y a plein de projets et tu peux donner un peu d'argent pour quelques projets spéciaux. Donc tu sais où tu plantes tes arbres et on ne sait pas trop où ils plantent les arbres quand tu fais des recherches. Donc. Alors, merci d'abord pour cette présentation. J'ai naturellement des questions à vous poser puisque c'est un sujet qui me passionne. Je voudrais tout d'abord savoir comment le comité, donc éco-délégué, constitué d'élèves délégués, a fait ce choix plutôt qu'un autre. On a fait ce choix parce que Ecosia, c'est gratuit et c'est très facile à installer. Merci. Ma deuxième question porte sur le logo, puisque Faustine nous a présenté le logo. Est-ce que c'est un logo que vous avez vous-même créé ou est-ce que ce logo existait déjà ? C'est le logo d'Ecosia qu'on a mis sur les posters. Merci. Ma troisième question concerne l'usage que vous avez déjà peut-être commencé à faire de ce moteur de recherche. Est-ce que certains parmi vous ont déjà essayé ce moteur de recherche à la maison ? Et est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ? Bah, chez moi, j'ai déjà planté deux arbres. J'ai tapé comment installer Ecosia et ça m'a dit comment faire. Je pense que j'ai posé toutes les questions qui étaient celles que j'avais en tête après vous avoir écouté. Je peux imaginer que vous êtes venu me voir pour savoir si nous allons pouvoir très rapidement mettre en place l'usage de ce moteur de recherche dans l'établissement. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, Monsieur Cassian, nous voudrions savoir si vous êtes d'accord pour que nous puissions promouvoir l'utilisation d'Ecosia au sein de l'école. Alors, bien entendu, ma réponse est oui. Je suis très, très enthousiaste à l'idée que ce moteur de recherche soit utilisé par tous les élèves et leurs professeurs. C'est un engagement fort de la part de l'école de vouloir promouvoir ce moteur de recherche. Vous pouvez être très, très fier du travail que vous avez accompli. Et je suis sûr que ça va changer beaucoup de choses dans la dynamique qui va se lancer dans l'établissement en termes d'usage de moteur de recherche. Donc bravo à vous pour votre engagement en tant qu'éco-délégué. Et nous sommes très, très fiers de savoir que vous contribuez à la mise en place du Green Flag et aussi de l'écolabel français qui nous permettra de pouvoir communiquer sur notre engagement éco-responsable à tous les niveaux de l'établissement et d'abord au niveau des élèves, puisque c'est vous qui avez fait cette proposition. C'est quelque chose qui est très, très important puisque nous voulons promouvoir dans l'établissement la place des élèves dans les décisions qui sont prises quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Aujourd'hui, vous venez me voir pour me dire que la décision que vous avez prise, qui est très forte, eh bien, est soutenue par tous les membres de l'école et d'abord par moi. Donc bravo encore à toutes et à tous et j'ai hâte de pouvoir utiliser Ecosia à l'école. J'ai déjà, comme vous, expérimenté ce moteur de recherche à la maison. J'en suis, comme vous, très, très satisfait. Et donc, je suis impatient que tout le monde en fasse un usage systématique au bénéfice de la planète, au CFBL. Donc, merci encore à toutes et à tous et bravo. Et si on regardait maintenant des expériences proposées par le CE2 Technology. Bonjour, je m'appelle Jeanne et je vais vous présenter ma présentation scientifique. Pour ma présentation scientifique, on a besoin d'un verre, de l'eau et d'un morceau de papier. D'abord, on remplit le verre. Après, on pose le morceau de papier. Le bout de papier reste collé comme un aimant. C'est un phénomène de pression. L'eau qui est à l'intérieur du verre exerce un phénomène de pression sur le papier. L'air qui est de l'autre côté du papier exerce aussi un phénomène de pression sur le papier. La pression de l'air est supérieure à la pression de l'eau. Alors le papier reste collé. Merci, au revoir. My name is Malika. I'm going to show you my presentation about my water. So for this, you need some tonic water, some normal water, a container to put your colored water in, a bottle, a container, a highlighter, a black light. At the end, I'm going to show you how to make one without buying one, only using your phone.
some tape, a blue Sharpie and a purple Sharpie, and a funnel. So for this, you're going to have to put the ink filter inside of the water and stir it around and wait 10 minutes. A few minutes later. Now that the water has been colored, we take the ink filter out and put it beside us. And now with the help of our funnel, we're going to pour the water inside of the bottle. Be careful for it not to spill. And it looks like soda. Now that you've done that, you're going to have to close this, safe, and turn off the light. Now I'm going to show you the difference between them. The normal water doesn't even glow. The tonic water glows a little bit. And the colored water glows. The science behind the tonic water glowing is because it has a chemical compound called quinine. The quinine makes invisible rays visible rays. That makes the water glow in the dark. So now that I've shown you the glowing water, I'm going to show you how to make the black light. So to make the black light, you need to put the tape on the light, on top of the light, and color it in Sharpie. Make sure you cover all of the camera, including the flashlight. Let me just finish this. Now, you need to put another layer of tape. And cover it again. You only need one more layer until you can put the purple. And now you put the purple. Thank you for listening to my presentation. Do you have any questions? Now that the ink is ready, the science behind the tonic water Let's have a little break with C2 singing Hit the Road Jack. Nous sommes en CE2 et on va vous chanter Hit the Road Jack. Oh,
Au fait, savez-vous quand a été créé Radio Récré ? Ils sont allés poser des questions à Monsieur Froment. Vous allez tout savoir. Radio Récré. Interview. Les interviews du CMBL. Bonjour, peux-tu te présenter pour nos auditeurs ? Bonjour les enfants. Alors, je m'appelle Sébastien Froment et je suis professeur des écoles. Ça veut dire que je suis maître d'école ici au CFBL, mais je n'ai pas une classe, toute la même classe tout le temps. Je fais des remplacements quand les maîtres et les maîtresses ne sont pas là. Je travaille aussi dans d'autres écoles pour faire des remplacements, des écoles françaises qui sont à Londres. Et aussi, mon deuxième métier, c'est je suis le responsable de Radio Récré. Merci. Je t'en prie. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour Radio Récré ? Jeanne, tu commences ? Bonjour, je m'appelle Jeanne et je suis en CM1B. Bonjour, je m'appelle Abel et je suis en CM1B. Bonjour, je m'appelle Paloma et je suis en CM1B. Bonjour, je m'appelle Naomi et je suis en CM1B. Voilà, vous êtes présentés. Si vous voulez, on peut continuer. D'où est venue l'idée de Radio Récré ? Alors, ça remonte assez loin. Il y a à peu près 25 ans, j'étais jeune enseignant, j'étais maître d'école, près de Paris. Et j'étais maître de CM2. Et dans la ville où je travaillais, qui s'appelle Ivry-sur-Seine, il y avait une radio. Une radio seulement pour les écoles, pour les écoliers, pour les écoles maternelles et les écoles primaires. Cette radio, elle s'appelait Radio Cartable. Et moi, j'utilisais cette radio avec mes élèves, c'est-à-dire qu'on allait dans un studio faire des enregistrements, comme on fait pour Radio Récré, faire des interviews, parfois chanter des chansons, faire de la radio. Et un jour, je suis devenu le responsable de Radio Cartable, c'est-à-dire que j'étais encore un maître d'école, mais mon métier, c'était je faisais que de la radio. Et j'allais d'une école à l'autre, d'une classe à l'autre, et quand j'avais tous les enregistrements, j'allais une fois par semaine dans un vrai studio de radio et on pouvait écouter partout dans la région parisienne les émissions faites par les enfants d'Ivry. Est-ce que vous voulez voir une vidéo ? Parce que j'ai retrouvé une vidéo quand j'étais tout jeune, quand j'ai commencé à faire de la radio, on a une télévision qui est venue faire un reportage sur notre radio. Est-ce que vous voulez la voir ? Oui ! Bon, allez. Et puis toute cette semaine, l'école s'ouvre à la presse. C'est la traditionnelle semaine de la presse à l'école. L'occasion pour les enfants de se familiariser avec les journaux, mais aussi avec tous les médias. Marie-Paul Régal et Noé Salem ont suivi des enfants d'Ivry qui ont participé à Radio Cartable. Reportage. Radio Cartable, la radio des écoles d'Ivry. Cette semaine, c'est la semaine de la presse. Pendant cette semaine, les enfants vont s'intéresser à la presse, ses formes, ses contenus. Une semaine pour essayer de comprendre et de faire la différence. Choisir celui dont vous avez envie de parler aujourd'hui à Radio Cartable. Pour reconnaître un journal, c'est que le journal, quand le média se sent, là, côté qui tombe, mais dans ça, ça tombe pas parce que là, c'est à part. La presse, c'est des journaux et des magazines. C'est pour les grands et les petits. Il y a des journaux des petits, il y a des météos. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton corps ? Il y a que des trucs pour les parents. Il y a plein d'écritures et c'est ça pour les petits. Des fois, les magazines, ça peut raconter des contes de filles. Il y a un énorme impact de la télévision. Donc c'est surtout les images qui les choquent. On se rend compte que pour des petits de CE1, la lecture, la presse écrite, c'est pas leur truc. Depuis 20 ans, Radio Cartable est la radio des enfants d'Ivry, faite par eux et pour eux. Bien rodés à ce média, l'exceptionnel pour eux cette semaine, c'est de parler de la presse sur leurs ondes. Qu'est-ce que tu as eu comme information sur la guerre ? J'ai vu qu'il y avait des grosses bombes qui lançaient vers des pauvres pays. Et toi, tu trouves que c'est important d'avoir de l'information ? Oui, un peu. Pourquoi ? Parce que
si la guerre elle commence ici, eh ben, il faut savoir partir à temps. Directement, à pour écouter leurs reportages, leurs commentaires sur l'actualité et sur la presse en général, vous pouvez les retrouver sur Radio Cartable, diffusée jeudi à 14h sur Radio Libertaire. Je me souviens, la maîtresse. L'information continue sur France 3 avec la suite du 19-20. Je vous retrouve à... Voilà. Sur cette vidéo, vous avez quel âge? Alors, j'ai quel âge? Tu me vous vois maintenant? Alors, j'avais quel âge? Eh ben, si c'était il y a à peu près 25 ans, j'avais à peu près 25 ans. Ah oui, ça remonte à... Alors, l'image n'est pas très très bonne. Hein. Ça avait été filmé sur la télévision. C'était passé à la télévision. Mais de rien. Alors, justement, j'enchaîne. Je vous ai montré ça parce que quand je suis arrivé au CFBL, il y a à peu près 8 ans, j'ai parlé à M. Gassian de mon expérience en tant que maître de la radio. Eh bien, il était très intéressé. Et avec l'aide de l'association des parents d'élèves du CFBL, on a commencé à faire des émissions. On a acheté des micros, on a acheté un enregistreur. C'est toujours celui-là que j'avais depuis le début. Et il marche très bien. Et puis, on a commencé à faire des émissions pour Radio Récré. En quelle année la première émission a été diffusée? Eh bien, je disais, c'était il y a 8 ans. Alors, la première émission, elle a été diffusée, j'ai le jour exact, le 10 novembre 2014. Pourquoi as-tu choisi ce métier? Alors, le métier d'enseignant, parce que je trouve que c'est passionnant d'enseigner aux enfants, de leur apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas. Et puis, le métier de la radio, parce que je trouve que c'est un outil qui est très, très... qui est différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est un outil pédagogique, comme on dit. C'est-à-dire, c'est une méthode différente pour apprendre aux enfants. Plutôt que d'être dans une classe et puis de parler aux enfants, de leur expliquer les choses au tableau, on peut utiliser les micros, préparer les émissions, et ça permet d'apprendre différemment. Merci Sébastien. Mais je t'en prie. Ça sert à quoi Radio Récré? Alors, tout d'abord, il faut que je précise que ça s'appelle Radio Récré, mais ce n'est pas tout à fait de la radio. Ce n'est pas de la radio comme Radio Cartable, parce que Radio Cartable, ça passait sur la radio, sur la FM. Il fallait avoir un poste de radio. Internet n'était pas très, très développé à ce moment-là. Et en fait, ça devrait s'appeler plutôt que Radio Récré, ça devrait s'appeler Podcast Récré, parce que c'est sur Internet qu'on peut écouter et voir les émissions. Alors, ça sert à quoi? C'est un outil pour communiquer avec les parents déjà. Ça leur permet de voir ce qu'on fait dans les classes, mais aussi avec les autres élèves. Hein. Ce que vous faites dans votre classe en CM1, eh bien, les CM2 peuvent le savoir grâce à Radio Récré. Mais aussi, ça apprend à parler dans un micro, évidemment, hein, puisque quand on fait de la radio, on parle. Mais pas seulement parler, parce que quand on fait de la radio, on écrit aussi des choses. On écrit des scripts. Parfois, ce sont les élèves qui écrivent. Parfois, j'écris avec vous, comme quand on a préparé cette émission. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Donc, le langage oral, écrit. Mais aussi, ce qui est très bien, c'est qu'on apprend à respecter la parole de l'autre. Et on apprend à s'écouter. Donc, en fin de compte, c'est un outil pédagogique pour apprendre différemment. Voilà. Que veut dire pédagogique? Alors, pédagogique, j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une méthode pour enseigner différemment. Plutôt que d'utiliser un tableau, par exemple, le tableau, c'est un outil pédagogique. Oui. Le micro, la radio, ce sont des outils pédagogiques. Très intéressant, merci. Merci. Ça prend combien de temps pour réaliser une émission et est-ce que c'est difficile? Alors, ça prend... en général, ça prend à peu près 3 ou 4 semaines. Mais alors, je ne fais pas ça tout le temps, évidemment. Je vous ai dit que je faisais aussi des remplacements. Donc, je peux faire la radio quand j'ai un petit peu de temps. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'émission depuis le 15 décembre, je crois, parce qu'il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont été peut-être absents à cause du Covid. Et donc, j'étais tous les jours dans les classes depuis le début janvier. Donc, je n'ai pas pu faire d'émission. Mais là, on reprend, je suis content. Et j'espère que le Covid va se calmer. Combien de temps pour faire une émission? Alors, j'ai dit à peu près 3 ou 4 semaines, mais pourquoi? Parce qu'il faut d'abord aller dans les classes, faire des projets avec les enseignants, qui soient d'accord pour faire des émissions. Après, avec les élèves, on décide de ce qu'on va faire. Et après, on écrit le script, on enregistre, et après, il faut faire le montage. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le montage?
Qu'est-ce que c'est le montage? À peu près. C'est quoi le montage? C'est Jeanne. Dès que tu rassembles toutes les séquences et les effets spéciaux que tu mets sur Radio Récré, c'est le montage. C'est-à-dire qu'il faut tout écouter, parfois tout regarder quand on fait de la vidéo, trier ce qu'on veut garder, hop, et une fois qu'on a fait ça, ça s'appelle le nettoyage, et une fois qu'on a nettoyé, eh bien, il faut faire des ajustements, rajouter de la musique, ou rajouter des effets spéciaux quand c'est de la vidéo. Donc voilà pourquoi ça prend. Et après, bon, bah, il faut le mettre en ligne. Donc il faut réécouter plein de fois pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc ça prend à peu près un mois. Est-ce que dès que tu fais Radio Récré, il y a des gens qui t'aident? Alors j'aimerais bien. Alors ceux qui m'aident, ce sont vos professeurs hein, qui m'aident, qui préparent des fois les émissions avec vous. Mais je n'ai personne pour faire toute la technique. J'aimerais bien qu'un jour, ce soit les enfants, les élèves du CFBL qui fassent le montage ou qui m'aident, ça serait bien. De temps en temps, on en fait, mais ce n'est pas facile à organiser. Mais peut-être qu'un jour, peut-être l'année prochaine. D'ailleurs, moi aussi, j'aimerais t'aider. Eh bien, tu es la bienvenue. Est-ce que parfois, il y a des problèmes techniques? Alors, les problèmes techniques, la plupart du temps, ce sont, par exemple, les caméras qui s'arrêtent parce qu'il n'y a plus de batterie. Ça nous est arrivé tout à l'heure. Ou alors, ça peut être lié aux ordinateurs. Parce que quand j'enregistre, je mets tout sur mon ordinateur et ça prend beaucoup de place. Beaucoup de place, beaucoup de place. Et donc, il faut toujours essayer de trouver de la place, même si on sauvegarde sur des disques durs. Donc, c'est souvent lié aux ordinateurs. Les ordinateurs, des fois, ils sont un peu capricieux. Est-ce que parfois tu travailles depuis chez toi? Alors je travaille depuis chez moi pour faire le montage quand je peux, parce que j'ai deux écrans, j'ai un peu plus de matériel, j'ai aussi des instruments de musique parce que je fais les musiques pour Radio Récré, donc ça me permet de faire les musiques. Parfois je travaille, alors évidemment quand je travaille avec les élèves c'est ici, au CFBL, et chez moi c'est toute la partie montage. Et puis je fais du montage le soir, alors je n'ai pas envie de rester à l'école le soir, je préfère être chez moi pour faire mon travail. Merci. Qu'est-ce que tu préfères dans l'émission? Alors, j'aime bien toutes les étapes, parce que je trouve ça passionnant, mais je l'ai déjà dit. Mon moment préféré, c'est quand je suis en classe avec les élèves et on écoute l'émission. Et c'est la première fois qu'ils l'entendent. Ils s'entendent à la radio. J'aime bien voir quand ils sont contents de s'entendre. Voilà, c'est sans doute le moment le préféré. Pourquoi parfois c'est filmé et parfois il n'y a pas de son? Alors au début, tout au début, Radio Récré, c'était que du son. D'accord. Et Monsieur Gabé, vous l'avez peut-être connu, c'était le directeur avant Monsieur Gassion. Et avant Monsieur Gassion, il y avait un autre directeur et c'était lui avant, il y a quelques années. Il est parti il y a 4 ans, il me semble. Je me trompe peut-être. Mais il m'avait demandé, quand je faisais la radio, il m'a dit, ça serait bien de filmer les émissions, comme ça les parents... ils peuvent voir comment on fait les émissions. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et du coup, on a commencé à mettre les émissions sur YouTube. Et c'est pourquoi, c'est un petit peu compliqué, mais Radio Récré, on peut l'écouter sur SoundCloud et on peut le regarder sur YouTube. Donc, il y a deux façons. Si on a envie d'entendre que le podcast audio, on écoute. Si on veut voir les vidéos, on peut. Mais c'est pas tout le temps, je ne fais pas tout le temps des vidéos pour deux raisons. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants... soit filmé, et ils ont le droit. Hein. Donc, dans ces cas-là, j'enregistre quand j'ai l'autorisation. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Eh bien, je vous remercie pour vos excellentes questions. J'espère que que vous avez appris des choses et puis que ça vous donne envie de continuer à faire de la radio. Oui, ça me donne... Au revoir, ça me donne très envie de continuer à faire de la radio. Au revoir, au revoir Sébastien. Au revoir Sébastien. Merci. Merci. Radio Récré. Radio. Interview. Les interviews du CFBL. As you may know, a few weeks ago, pupils from CFBL donated for people from Ukraine. Look at these pictures and listen to the lists of items donated. 310 cereal bars. 125 tubes of toothpaste. 108 jars of instant coffee.
85 shampoo bottles, 75 packs of nappies as well as jumbo packs, 78 pot noodles, 36 towels, 29 duvets, countless jars of baby formula, baby food, hygiene products, warm clothes and for children and adults were collected a couple of weeks ago. All gathered, sorted, boxed, labelled and dispatched by our wonderful cinquièmes who worked very hard throughout the day. Thank you for your support and individual donations. It took 9 carloads to deliver the donations to Primrose Hill Library. The truck headed towards the Polish or Ukraine border 2 weeks ago. Let's hope this war is going to end soon. Now listen to an enigma in mathematics by Dana in 5e. Les énigmes scientifiques du CFBL. Hello, I'm Dana from 5B, and I'm going to be reading to you my riddle, The Riddle of the Farmer and the River. There is a farmer who is bringing a fox, a chicken, and a bag of grain to the market. He comes across a river with a boat that can only hold him and one other thing at a time. Normally, this wouldn't be a problem, since he can just take each item across the river separately, bring them across and row the boat back by himself. But there is a problem. If he leaves the chicken with the grain, the chicken will eat the grain. If he leaves the fox with the fox will eat the chicken. Additionally, he only has time to go across the river 7 times. That being, he can only cross the river 7 times, so one time there, one time counts as once, and going back would count as a second time. Or he won't make it to the market on time. Remember, he can't leave the chicken with the fox or leave the chicken with the grain. He can go both across and back by himself or with one other piece of cargo, but he can't bring two of them with him. The cargo can't row by itself, and he has to do it in 7 trips or less. How can he bring everything across the river without anything getting eaten? Send your answers to Radio Récré, and good luck! Et maintenant, voici une sélection d'expériences proposées par les CM1. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire bouger du poivre dans de l'eau avec du liquide vaisselle. Donc, il vous faudra un bol, de l'eau, du poivre et du liquide vaisselle. Donc, pour commencer, on va verser l'eau dans le bol. Après, on va ajouter du poivre. Si je mets mon doigt, ça fait rien. Donc je vais ajouter une goutte de liquide vaisselle sur mon doigt. Et puis je vais le mettre dans le poivre. Et puis ça bouge le poivre parce que le liquide vaisselle a un corps gras. Donc le corps gras et le liquide vaisselle est plus dense que l'eau. Donc ça va pousser le poivre qui lui est très léger. Merci de m'avoir écouté. Hello. Today I'm going to explain this experiment of how to extinguish fire with carbon dioxide. In my recipient, I have a lit candle, and in my glass, I have some water. In my glass, which has water, I'm going to add some carbonated soda. Then I'm also going to add citric acid. The mixture will start bubbling. We're going to wait until the carbonate of soda and citric acid dissolve in the water. I've created carbon dioxide.
Now I'm going to gently tilt the glass over the candle without tipping the mixture out. The flames extinguish. But how does this work? When you mix bicarbonate of soda with some acid, you create, in this case citric acid, you create an invisible gas called carbon dioxide. Carbon dioxide is heavier than air, so it remains at the bottom of the glass. When you tilt the glass, carbon dioxide comes out and extinguishes the candle. But how does it extinguish the candle? Carbon dioxide pushes away oxygen, and when you tilt the glass over the candle and the carbon dioxide comes out, the oxygen is pushed out and instead there is carbon dioxide. Flames need oxygen to keep burning, but since there is no more oxygen, the flame is extinguished. Thank you for listening. Bye! Nous aussi, les CM2, on a fait des expériences, mais en classe. Mais il y en a aussi quelques-unes en vidéo. Je voudrais aujourd'hui faire une expérience qui montre comment volent les avions et les hélicoptères. Pour cette expérience, on a bien besoin d'une règle assez longue, du scotch, d'un stylo ou d'un crayon à papier, d'une paille, et d'un morceau de papier épais, à peu près à la taille de la règle. On va coller le morceau de papier sur la règle, comme ça. Pour répliquer la forme d'une aile d'avion. De l'aile avec la paille, la pression devient plus faible que la pression atmosphérique et l'aile monte. C'est comme ça que les avions décollent. Les ailes sont faites pour que l'air passe principalement au-dessus de l'aile. This week is Science Week and I am going to present to you my experiment. My objective is to get this balloon inside this water bottle. What you're going to need is a bottle, a lighter, a balloon, strips of paper, and a bowl of water. The things you'll need to know before you start are the bottle cannot be plastic, otherwise the experiment won't work because I experimented with a plastic bottle and the plastic bottle got crushed. And also, the balloon isn't filled with air, it's filled with water. So, I'm taking my bottle, I'm going to take this piece of paper and check that it fits. But before that, we're going to take the balloon and dip it inside. And then we're going to take our finger and rub it around the top so there's water so it's easy for the balloon to slip through. We're going to take out the balloon and put it on the side. If it's too wet, I'll put the flame out. Okay, and we're going to burn the flame. We're going to burn the paper and then we're going to drop it in and then the balloon will probably get sucked. And
do it. I'll explain to you now what just happened. So what happened is that when the flame used up all the oxygen inside the bottle, the paper stopped burning, and the air pressure from outside the bottle is pushing down on the balloon is greater than the air pressure inside the balloon, inside the bottle, pushing up on the balloon, and that's how the bottle got sucked. No, that's how the balloon got sucked into the bottle. Goodbye. Et maintenant, un reportage exceptionnel réalisé la semaine dernière à l'Institut français. Trois élèves de troisième, Nourine, Élise et Milana, sont allés assister à un concours de débat en français et par des élèves en école anglaise. C'est l'heure du reportage! Radio Récré, du coup. Alors bonjour, on vient du Collège français bilingue de Londres. On est là pour Radio Récré, donc c'est la radio de notre collège. Ouais, c'est le podcast de notre collège. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter? Donc comment vous appelez-vous? Vous êtes de quel établissement? Donc bonjour, je m'appelle Neyaz Hashim et je suis du Collège Hampton School. Je m'appelle Patrick et je suis du même collège. Donc vous avez donc gagné les joutes oratoires de l'année dernière. Comment c'était cette expérience de gagner et participer? Au début c'était un petit peu angoissant, mais je me suis habitué au format du débat. Donc après les plusieurs étapes, nous étions un petit peu endurcis au débat, oui. Oui, c'était un peu stressant au début, mais au fil du concours, c'était extrêmement amusant, divertissant, et on a développé des compétences nouvelles, un niveau de français plus élevé, donc c'était bien. Est-ce qu'il y a un aspect de la langue française qui vous perturbe, qui vous semble difficile? Probablement le vocabulaire, parce qu'il y a un grand nombre de mots qui doivent être utilisés pour un débat qui sont assez difficiles d'apprendre. Mais on peut apprendre des structures, donc on peut être un petit peu préparé. Mais le vocabulaire est plus difficile, oui, parce que c'est très technique. Oui, peut-être les phrases un peu plus idiomatiques, c'est un peu plus difficile à les apprendre. Et qu'est-ce qui vous passionne avec la France? Enfin, qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'apprendre le français à ce niveau-là? En général ou... Oui, enfin, de manière générale, qu'est-ce qui vous intéresse? Pour moi, personnellement, je vais utiliser le français à l'université pour mon diplôme. Donc, le débat, les joutes oratoires étaient très utiles pour mon niveau de français et aussi en général mon niveau d'argumentation. Parce que je n'avais jamais participé à une compétition de débat. Oui, moi aussi, je vais continuer à étudier les langues, je vais étudier l'arabe à la fac. Donc oui, le débat m'a donné cette confiance en moi pour pouvoir me plonger dans une langue complètement étrangère comme le français ou l'arabe. Comment est-ce que vous vous êtes entraîné pour ce débat, pour cette compétition? Au cours de plusieurs mois, avec nos professeurs et les assistants français de notre école, nous avons préparé les statistiques, les structures de débat, mais aussi nous avons pratiqué parler en français publiquement. Ouais. Ouais, pour nous, c'était en plein confinement, donc les pratiques étaient sur Teams, donc c'était un peu différent, mais c'était agréable quand même. Merci. Et enfin, est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce qu'il y a une personnalité ou un aspect culturel, donc peut-être un film, un livre favori que vous avez en français du coup, ou qui vient de France?
au collège pour nos élèves. On étudie La Haine, le film La Haine. Et nous aimons ça beaucoup parce que c'est très intéressant de voir que les mêmes problèmes qui existaient quand le film était produit, il existe maintenant, toujours. Oui, peut-être sur le même thème, il y a les films plus récents, Les Misérables, qui, moi, je l'ai adoré. C'était très captivant de voir que les problèmes dans les banlieues, dans les cités, continuent à toucher beaucoup de Français. Et, oui, c'est des sujets assez importants à traiter dans un film comme ça. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'heure du reportage. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.